Bonjour et bienvenue sur BX1 pour un nouveau numéro de Texto. Aujourd'hui, c'est du côté de Saint-Gilles que je partirai à votre rencontre. Parviendrez-vous à définir le mot du jour ? C'est ce que nous allons voir. Intrus, c'est quelqu'un qui n'est pas désiré, qui n'est pas invité, qui vient, qui s'incruste. C'est une personne qu'on n'a pas invitée et qui débarque chez soi. Quelque chose qui ne fait pas partie de la même famille, un intrus, quelque chose qui n'est pas à sa place. C'est quelqu'un qui est là et on ne s'attend pas à ce qu'il soit là et on n'est pas content qu'il soit là. On vérifie ? On vérifie. C'est parti. Personne ou chose introduite quelque part sans y être attendue, invitée ou désirée. Exemple, la mort était venue comme une intruse. Intrus signifie également élément dissemblable, comme par exemple chercher l'intrus. Donc voilà, je vous propose une petite lecture. L'intruse, l'aveugle et les sept princesses. Une fois que la maladie est entrée dans une maison, on dirait qu'il y a un étranger dans la famille. On va faire un petit jeu. Je vais vous donner des propositions et vous devez trouver l'intrus, ok ? Ça va. Alors si je vous dis texto, quotidien, apprendre et 400 000 téléspectateurs. Apprendre. Bah non, on apprend quelque chose dans texto. Non, vous pouvez répéter les mots. Si je vous dis texto, quotidien, apprendre et 400 000 téléspectateurs. 400 000 téléspectateurs. Oui, on n'y est pas encore tout à fait, mais ça arrive. Si je vous dis Bruxelles, Jacques Brel, Montparnasse, la Grand Place. Montparnasse. Montparnasse, bonne réponse. Si je vous dis gare du Midi, gare du Nord, garde-robe, garde-voix. Garde-voix. Ah bah non, garde-robe. Ah oui, garde-robe. Et alors, dernière, si je vous dis début, démarrage, commencement, fin. Fin. Eh oui, c'est la fin de texto. Merci de nous avoir suivis, salut.